Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite de Forever Skies. Alors la dernière fois, on s'était quitté sur un début de transformation de notre ballon en forteresse volante. J'ai continué un petit peu, ça a été un peu agrandi derrière. J'ai récupéré beaucoup plus de ressources et je me suis arrêté ici puisque j'ai quelque chose à vous montrer. Mais avant toute chose, je pense avoir compris quelque chose. À mon avis, il faut qu'on se rende sur les points d'interrogation, c'est là où on va déverrouiller des technologies. Vous voyez, ici, j'ai trouvé plusieurs choses sur cette... île, j'allais dire, on n'est pas dans Raft, quoi. Mais là, en gros, il y avait des espèces de petites tablettes à récupérer qui m'ont donné des plans. Un truc que j'ai trop envie de faire, j'ai attendu de vous de lancer l'épisode pour ça. Et est-ce que vous voyez ici, là, pile sous ma souris, il y a un monsieur qui est décédé. Et il avait une lampe torche sur lui. Enfin, en tout cas, le plan à scanner, vous voyez, on le voit un peu mieux comme ça. J'ai pas envie de faire le tour. Mais en gros, on va pouvoir se faire une lampe torche et on a surtout un truc à poser qu'on a trouvé. Alors, je vais vous montrer. Ça a l'air énorme. Je ne l'ai pas posé et je pense qu'il faudra modifier encore la structure du ballon. Quoi. Small Bloom to Deck Cockpit. Regardez-moi ce truc. Alors, je pense que ici, ça serait le mieux pour l'instant. Ah non, c'est pas comme ça qu'on fait tourner. Pardon. Ça coûte super cher. Hein. Regardez. 17, enfin 15 polymères, 100 de métal. Enfin bon. Je vais voir si ça, ce que ça donne. On a enfin un escalier qui descend et ça, c'est trop le luxe. Objectivement, j'ai envie de poser. On va faire voir, est-ce qu'on a une pièce là? Voilà. Et je pense que le rez-de-chaussée, par contre, on va le diminuer un max. Pourquoi il y a ça là? Est-ce qu'on a encore de quoi faire une pièce? Bon, pour l'instant, on va équilibrer. Voilà. Ah, c'est vrai que ça sert à rien, mais bon, ne serait-ce que pour pouvoir mettre un escalier comme ça, c'est trop stylé, franchement. Il y a moyen de faire un truc bien à la fin, je pense, parce que là, on n'a pas tout, il nous manque quand même beaucoup d'éléments. Alors, attendez, c'est où est-ce que j'avais vu? Voilà. Par exemple, sur les parcs éoliens, il nous reste encore 25% de trucs à scanner. Les jardins, on en a beaucoup. Je crois que là, on est dans un jardin, et les variantes de subnuée... Alors, la subnuée, c'est le truc en dessous, on n'y a pas été du tout. Enfin, on n'y a été qu'une fois, donc pour l'instant, on a récupéré. Et c'est peut-être dans ces trucs-là qu'on pourra trouver, d'ailleurs, les fameuses, le fameux système d'arrosage automatique. Alors, nous, ce que j'aimerais bien qu'on aille voir, c'est le truc à 1,2 km, qui est là, enfin 12, qui est là-bas. Hop, 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 faut peut-être ramener le pont. Et on va encore arracher la moitié du vaisseau. Trop pratique, ce truc, quoi. Alors, vous inquiétez pas, hein, là, ça brûle, mais regardez, en fait, on a 7% de santé en moins, donc c'est vraiment rien, quoi. Alors, juste avant de partir, quand même, est-ce qu'il n'y a pas 1,29, 1,12 et 1,35 ? Il y a vraiment trop de trucs à découvrir dans le coin. Allez, let's go. On va essayer de monter. Parce que là, il est quand même très, très gros, notre ballon. Donc faut qu'on essaye d'éviter quand même de se prendre tous les trucs. Au moment où je dis ça quand même, c'est pile le moment où je me suis fait éclater quoi. Qu'est-ce qui nous a touché? Ah non mais c'est juste des trucs à... Oh, il y a une tour violette là. Donc les tours violettes, je crois que c'est celles qui nous emmènent dans la subnuée. On va monter un peu. Ouais. C'est ça, ça c'est ce qui nous emmène là-dedans. Nous, on va aller, voilà. Là. On a une verte par ici. Ouais, c'est bizarre le ballon qui... Il oscille comme ça. On va le laisser avancer. Il y a des trucs qui sont gravement endommagés. Non. C'est rouge ça. Ok. Alors si c'est ça, ça m'arrange bien. Et je voulais faire la torche. Alors attendez, on va aller voir ça. Je crois qu'il nous faut du cuivre. On va manger un petit bout. Voilà. Du cuivre, s'il te plaît. Ouh, elle est bizarre celle-ci.
c'est bel et bien une variante. Ah yes, il y a trop de trucs, regardez. On a plein de points d'interrogation pas loin, donc on va récupérer pas mal de plans. Qui va nous permettre... Ah oui, j'ai aménagé un petit peu, je sais pas si vous aviez vu ça la dernière fois, je crois pas. Alors, attendez. On pourrait peut-être tenter par là déjà. Et éventuellement, on n'a pas besoin... On va déverrouiller la vitesse. Pardon, avance un petit peu. Et on va d'abord tout passer au... C'est bizarre ça. Ouh, regardez. Elle a l'air bien toxique cette zone. Ah bah parfait, on est pile face au soleil, comme ça on voit que dalle. J'essaye quand même de passer au travers parce que du coup il y a moyen, ça nous ouvre des accès. On est un peu loin en vrai, hein, non? Non. Loupe de bois surnaturel. Ressources à scanner. Variante du jardin, variante de ça. Donc là, c'est le parc éolien, je crois. Non, c'est un jardin. La vraie question, c'est comment on va faire pour aller. Pour pas crever, surtout. C'est hostile. Back away or die, ouais, c'est plutôt classique. Ok, je pense qu'il nous faut un médicament particulier. On va essayer de faire le tour hein, quand même. Et surtout, on va faire cette lampe torche. Le gars qui a des priorités énormes. Alors, la lampe torche, il nous faut juste du cuivre et un élément électrique. Ce qui est bien, c'est que ça nous a pas contaminés. Ça ne saurait tarder. Donc il nous faut un fabricateur. La résine végétale, j'en ai pas. Et ma question, c'est comment on fait pour aller là-dessous? Je vais voir un petit peu le nouveau truc déjà. Il nous faut une batterie. J'espère que c'est pas un truc qui se recharge. Franchement, honnêtement, ce serait vraiment pénible. Donnez-moi une batterie. Il n'y en a pas. On en a un. Pas de panique. La lampe torche, elle est là. Enfin, juste qu'il n'y a pas besoin de la recharger. Hop là. Et éventuellement, on pourrait peut-être se mettre un moteur supplémentaire, mais je suis pas sûr que de l'autre côté, ça nous amène plus haut. Ah oh, si, il y a une torche. Oh. Enfin, il y a de l'énergie, pardon. Allez.
Alors ça, quand je suis tout seul, je suis très têtu, il y a vraiment moyen que j'y passe une heure. Bon, vous savez quoi? On va faire le tour, on va chercher une solution. Mais attendez, déjà il y avait ça là. Cette zone là, là, comment on fait pour y aller? Oh. Ah mais non, mais regardez. Je vais le scanner, mais au pire des cas, voilà. Ce que je vais faire, c'est... On n'a pas de recharge? Oh. On va aller chercher tout de suite. Parce qu'il y a peut-être moyen de récupérer quelque chose d'intéressant là-dedans. Où sont nos munitions? Alors oui, ça se voit pas, mais regardez, j'ai équipé des petites lumières et tout. On m'a dit que si on faisait des plafonds, mais là on n'est pas loin de la limite en taille, en poids du bateau. Du bateau, vous m'avez compris. Du coup, bah en vrai, apparemment il y aurait des lumières intégrées. Ah bah oui, c'est ça qu'on m'a dit. Est-ce qu'on pourrait pas par contre poser tout ce qui ne sert à rien? Voilà. Nickel. Pareil pour là. Et ben on est pas mal. On va manger un petit coup. Boire un peu plus. Et on y va. J'avais pas capté que c'était un truc sur lequel fallait tirer ça. Pourtant, c'est pas comme si c'était le premier. Oh, qu'est-ce que c'est? Ah, mais c'est le truc automatique. Extracteur fixe filtrant à l'état d'épave. Extracteur de plateau filtrant. Ok, bah on va voir ça. En tout cas, on vient de trouver un nouveau truc. Ça, c'est plutôt cool. Bouteille vide. Ça, c'est déjà scanné. Tout va bien. Laissez-moi passer. Encore une bouteille vide. Bon, ça c'est pas bon signe par contre. On va voir si on essaie d'aller là-bas. J'ai l'impression qu'il y avait un dirigeable de l'autre côté. Mais non, ce n'est qu'une piste. Kit de premier secours. Bah, ça fait longtemps qu'on n'en a pas trouvé de ça. Ok, on s'en fout un peu. Est-ce que de ce côté, on peut y accéder plus facilement? Bon, j'ai pas d'autre idée que d'essayer de se faire un médicament. J'essaie de faire le chemin inverse pour voir. Oh! Ou pas. Bon, et bien on retourne à la maison de l'autre côté. J'aurais peut-être pu sauter. Je sais même pas si c'est possible en vrai de faire ce médicament. Sinon, si on fait des turbines, est-ce qu'on peut monter vraiment plus haut? Alors je rajoute deux turbines là, paf paf derrière. Ou alors, attendez, on va essayer de voir si on peut pas se faire un médicament particulier.
C'est pas là-dedans. Oh, vu que j'ai tout changé, je sais plus où sont les trucs. Non, non et non. Allez, regardez, on a des chaises, on pourra se faire enfin une petite chaise pour le commandant, quoi. Oui, c'est-à-dire nous, qu'on est tout seul. Alors, juste. Échantillon viral, on s'en fout. Ici. Permet de filtrer les ressources extraites automatiquement. Ça, on le fera, hein, il n'y a pas de souci. Est-ce que ça serait là? Non, ça c'est pour extraire de l'huile. Attendez, normalement, je peux faire les médicaments quelque part. Hein. Les voilà, c'est là. Alors, traitement contre la gastro, on s'en fout. Réduit la température, c'est pas ça. Termine plus prolongée dans la poussière. Non, c'est pas ça qu'on souhaite, nous. Alors, est-ce que c'est un de ceux qu'on n'a pas toujours recherché? Augmente temporairement la régénération de l'immunité à des niveaux surhumains. Il nous faut une gastro-entéritis et une fièvre hémorragique. Je pense que c'est ce truc-là, hein, si on veut quelque chose. Après, est-ce qu'il serait pas possible de réparer ça et de monter direct? En mode beaucoup plus simple. Tac, merci. Le moteur, est-ce qu'il est en pleine forme? Aucune réparation nécessaire. Bon, bah c'est mal barré. C'est carrément mal barré. On va crever si on fait ça. Et ben en fait, Ok, on n'arrive pas à passer en dessous. Là, par exemple. C'est toi qu'il faut qu'on shoote là. Alors, l'éclair, ça nous embête un peu, faut être honnête. C'est pas cool. Vous savez quoi? On va se retrouver après la tempête. Je vais looter tout ça là. Réfléchir éventuellement à une autre solution possible. Et on se retrouve après. Bon, la tempête est passée. J'ai essayé de glitcher en passant par en dessous là. Mais je pense que c'est ça en vrai. Branche surnaturelle. Non, mais c'est pas la branche. Faudrait qu'on arrive à taper sur le fruit. Mais je pense pas qu'on puisse l'avoir d'ici. L'autre option, c'est de faire ce fameux médicament. Et pour ça, en fait, il s'avère qu'on a là-dedans des trucs qu'il faut, mais que je voulais les garder absolument. On va tenter, hein, franchement, ampli d'immunité. Et là, est-ce qu'on va avoir les ressources nécessaires? C'est ça qui me fait un peu peur. Ah, bah déjà, ok. Bah ça se fait là, j'imagine. Jean. Oh non, il nous en faut d'autres. Fièvre hémorragique et gastro-entéritis. Je sais plus comment ça s'obtient. C'est avec le fameux, forcément, l'autocuiseur, là, ou je ne sais quoi. Et réactif médical, est-ce qu'on en a assez en plus?
Des graines surnaturelles. Ok, et là, il en faut un seul. C'est tellement dommage que l'on soit obligé de refaire ça. Est-ce qu'on peut utiliser? Fais voir un peu si je scanne la plante là. Non, il faut d'autres choses. Est-ce qu'un filtre ça marche? Si oui, qu'est-ce que ça nous file? Non. Bon, on est un peu dans la merde. On va pas se mentir. Vous avez vu, ça a changé ici. On peut mettre 20 de flotte et ça ne nécessite plus une bouteille. Mais par contre, on n'a rien du tout. Faudrait revenir, j'imagine. Est-ce que là, on prend cher si on sort? Vous voyez? Oh. Pour moi, là, normalement, il suffit de tirer une flèche dans le truc là, là. Mais ça devrait briller. Normalement, on devrait trouver en fait une bouboule comme ça là. Enfin, vous voyez ces espèces de bouboules là, mais brillantes. Elles sont où? Je les vois pas. Les loupes des bois surnaturelles, c'est exactement ce que je cherche en vrai. Bon. Pourquoi notre gars est aussi ralenti? Je te demande de courir, tu veux pas? Oups. Ah, je crois que ma plateforme était dehors. Mais je suis pas prêt de l'utiliser. Bon, on est obligé de partir parce qu'on n'a pas les ressources. Il faut qu'on arrive à analyser, comment ça s'appelle, des organismes vivants pour pouvoir obtenir les maladies. Est-ce qu'il est là, notre Johnny, là? Il peut plus courir. En attendant, on va décomposer tout ce qu'on peut. Là, il y a plein de trucs en plus, quoi. Ça, c'est embêtant. Si vous savez comment faire, si c'est bien ça ou pas, parce que ça, c'est vraiment le truc depuis le début du jeu, j'ai pas capté. Est-ce que ça a vraiment un impact ou pas? Tiens, là où il y a du verre. Oh, récupère-le, s'il te plaît. Voilà. Bon, on s'en fout. On va aller à un autre point d'interrogation. Mais il ne veut plus courir. Je comprends pas. Ouh, par contre, on n'a plus de flotte. Non, mais regardez, mon personnage, je fais shift, hein, je vous assure. Il ne veut pas courir. Même pour traverser le bateau, c'est long. On va manger. Est-ce que c'est parce qu'il a pris des dégâts? Bon, on va aller à un autre poste de commande. Dirait lui, là. Ça, c'est juste là, on est bien d'accord, ok. Et ben, on va aller à celui-là plutôt, à 1 km 36 juste derrière.
Je suis bien embêté parce que là je vois vraiment pas comment le faire. Carburant de l'un des moteurs consommés. Non mais laisse-moi courir, c'est pas vrai. Non, c'est pas juste un bug. Mais là c'est bizarre quand même. Et même le carburant, ça commence à être un peu limité. Bon, après le carburant, c'est rien, on peut en faire avec du synthétique, donc c'est vraiment pas grand-chose. Après, j'aime beaucoup cet escalier-là, parce que moi je râlais comme quoi on n'avait pas d'escalier, et là enfin on a un truc. Hop. Blague. Non mais vraiment. Peut-être qu'avec une petite nuit de sommeil, ça irait mieux. Toi, tu pourrais sûrement aller dedans là et nous ramener ce qu'il faut. On pourrait dresser ce truc-là. C'est peut-être plus rapide que le reste. Alors, bon, là, notre endurance est au max. On peut toujours pas courir. Qu'est-ce que c'est? Non, mais c'est forcément un. Y a forcément un petit bug là. Faites voir un peu. Satisfaire la fin. Des trucs qu'on n'a toujours pas réussi à faire, quoi. Bon. Oups. À bâbord! Ça passe easy. Là, on y retournera parce que la subnuée, il faut qu'on y aille. Attendez, mais il y a un autre truc violet juste derrière. C'est pas vrai. Alors qu'on peut pas courir. J'ai l'impression que ça va mieux pour notre gars quand même. Vous voyez, là je viens de le soigner, ça n'a rien changé du tout. Bon, ce qu'on va faire par contre, c'est qu'on va faire de l'essence. On n'a pas de synthétique sur nous. Alors, j'ai tout posé. Tac, on pose ça, s'il vous plaît, ça aussi, ça aussi. Hop là. Ça va vite, vous inquiétez pas. On va en mettre deux, ça ira bien. Mais allez, on dirait que t'es enfoncé dans le sol et que tu peux plus bouger comme dans certains bugs de jeux vidéo, quoi. C'est parti! Viendra ici, c'est pas un problème. Et j'ai l'impression que c'est une autre subnuée. Vous savez quoi? Je vais sortir du jeu, je vais relancer parce que j'ai vraiment l'impression que ça c'est pas normal qu'on puisse pas courir. Tant qu'on arrive là-bas et je ferai ça. Bon, en plus aujourd'hui pour la vidéo on a vraiment un temps pourri quoi. Il pleut, il y a des trucs de partout. L'endroit de l'enfer. Ah, j'aime pas quand il y a des plantes. Qui dit plante dit le truc qu'on a vu tout à l'heure. On est beaucoup trop.
détendre un petit peu, mon ami. Est-ce que c'est bien là l'entrée? Ça a l'air. Pas sûr du tout en fait. Bon, vous savez quoi, je vais quitter, revenir. Bon, la bonne nouvelle, c'est que c'était bien un bug, parce que regardez, on peut courir, il n'y a pas de problème. On est trop loin là. Mauvais pilote. Hop, ça doit être pas mal là. Voilà. Alors, vous... Ok, donc il n'y a pas de... d'objet détecté. Et après, c'est recouvert par de la végétation, mais je pense pas pouvoir faire quelque chose. C'est une mauvaise blague. Il n'y a vraiment rien à faire. C'est peut-être plus haut. Ou plus bas. En tout, juste au cas où on puisse scanner quelque chose. Mais regardez, c'est en dessous de nous. Il y a de la lumière et tout. Alors attends, reviens le pont. Ah oui, il y a la fameuse... Comment dire, il y a la passerelle. Mais je suis pas sûr qu'elle nous amène là où il faut. Juste pour voir, on va aller voir un peu plus bas. Si, je pense qu'il faut aller là. Cette galère. Alors, on recule. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. On a pris un petit choc, ça va aller. On est beaucoup trop loin, même moi j'y crois pas. Et vous pensez que ça amène à quelque chose? Moi je crois que non, et que je suis vraiment en train de m'embêter pour rien. Là. C'est bon. On s'est pas embêté pour rien. Alors là, j'y croyais pas une seconde. Qu'est-ce qui se passe? Alerte santé critique. Trouver les rapports de recherche à l'intérieur du laboratoire.
Ah mais c'est qu'il faut pas toucher cette branche, non? Ce canon. Homme mort. Ouais, bah jusque-là j'aurais pu le dire. Un terminal où il faudra mettre le fameux ascenseur fermé. J'ai trébuché sur un câble et je suis tombé. Non seulement je suis probablement cassé la jambe, mais mon module d'accès s'est brisé en 1000 morceaux. Il ne me reste plus qu'un métal de frag... enfin, un fragment de métal. S'il n'y avait pas ces foutues attaques de hackers, on n'aurait pas été obligé d'interrompre les descentes et peut-être que rien de tout ça serait produit. Qui sait par ailleurs? Qui fait ça par ailleurs? Manifestement. Verrouillé. Alors, je serais bien curieux quand même de connaître. Il y a un câble là-haut. Est-ce que vous avez entendu le... Les bruits, ils sont là. Ça marche pas? Et de là... Oh là, on en parle plus. Bon, bah là où je suis content, c'est qu'on est venu à un endroit intéressant, alors qu'à l'origine, je me suis vraiment dit que j'allais perdre mon temps. Du carburant. Pourquoi on n'a plus le truc pour... Ah, il doit être en train de charger. Et on a, ça y est, enfin notre petite lampe torche. On va pas utiliser parce qu'on est auvergnat. Ok, des carreaux d'arbalète, c'est pas fou. Prendre ça, non? Oh! Attendez, mais il y a plein de trucs là. Comment je fais pour monter, moi? Oh là là. Alors, ma question, c'est est-ce que en faisant juste ça, ça marche? Ah, mais on pouvait le faire comme ça. Il n'y avait pas besoin de glitcher. Enfin, peut-être que si, en fait. Mais... L'accès est par là. Bon, du plastique, on sait plus quoi en faire, mais ça tombe bien. Vu qu'on s'est dit qu'on voulait augmenter... La taille du zeppelin. Ça peut pas nous faire de mal. Non. Risk of dehydration. Oh. Alors attendez, je comprends pas bien le concept de pourquoi ils nous font ça. Je crois pas qu'on puisse descendre par ici. Hein. Par contre là, s'il n'y a rien dans ces placards, je suis dégoûté. Allez, monte. Non, mais franchement, tu te fous de moi. Mec, passe, voilà. S'il n'y a absolument rien. Ok, c'est pas grave, on s'en fout. On prend des cordes.
Alors, du carburant. Est-ce qu'on a un truc à bouffer? Eh ben non. Prendre les graines. Et je crois que c'est tout bon. Bon, il faut qu'on aille faire un pass. Et qu'on récupère aussi notre machin. Pour démonter les... Oh, regardez, bougez pas. Bon, bah, je reviens pour prendre tout ça, hein. C'est sûr. Donc, on va redescendre. C'est dans ces petits seaux-là qu'on peut mourir facilement. Hop là. On va aller poser tout ça, récupérer notre gun, enfin notre truc pour décharger là. Il est là, heureusement. Je suis en train de me dire, attends, s'il est pas là, je l'ai perdu, je suis dégoûté. Alors, hop, tu me mets tout ce qui est similaire, s'il te plaît, pareil. Le carburant, on va le mettre aussi. On n'a plus grand-chose, par contre. Non, on va garder ça, c'est sûr. C'est là les dégâts qu'on a pris. 30%, ah bah, c'est le moment de réparer. Hop là. On va mettre ça à chauffer. Derrière. Donc toi, tu reviens. Merci. Ça va nous servir un petit peu plus. Les graines, on va aller poser ça là-bas. Les graines, j'imagine que ça ne périme pas. De petites échiroses, c'est bien. Ça, noix de café, on s'en fout. Donc il faut faire cuire ces choses-là. On a beaucoup trop d'eau et pas assez de. Là, il en reste encore un peu. On a dit qu'il nous fallait un composant de je sais plus quoi. Un module d'accès, il nous faut un composant d'accès. On va lancer, on va faire le composant machin. Alors, où est-ce que tu es? Composants d'accès. Il nous faut un circuit électrique et un morceau de plastique. Ça, jusque-là, on est bon. Est-ce que c'est ça? On continue la tambouille. C'est long? Comment ça se fait? Que c'est qu'un bout du craft. Alors fais voir le composant d'accès, du coup il faut qu'on l'ait pour rechercher. Et on va enfin pouvoir crafter le truc à la fin de ça, quoi. Heureusement que j'avais fait un peu de farm entre les deux épisodes et que j'avais vraiment des batteries et des trucs d'avance parce que je pense qu'on va utiliser beaucoup de choses, quoi. Le module d'accès. Alors attendez, je vais juste voir si ça a déverrouillé une nouvelle. D'accès, non. Pas du tout. On continue de faire cuire les trucs. Toi. D'ailleurs, on va manger. Tout de suite. Je ne consomme plus aucun aliment de base, hein, tout simplement parce que j'ai peur de. J'ai peur de prendre les maladies, parce qu'à chaque fois, il faut faire le médicament et c'est pénible. Enfin, pas le médicament. Le médicament, ça va. C'est le. C'est les autres trucs qu'on a vu en début d'épisode qu'on n'a pas réussi à faire d'ailleurs. Bah du coup ça c'est pénible, vous avez vu. Parce qu'il
Il faut défragmenter avec le truc d'ADN et... Si j'avais su... Il nous faut juste une batterie et on sera bon. Le melon, c'est parti aussi. La batterie. On va pouvoir, à mon avis, ouvrir la porte. Mais alors, je sais pas où est-ce qu'elle est, cette porte. J'ai l'impression que c'est là. Ah non, mais c'est directement l'ascenseur, en fait. C'est tellement pas ce que j'avais prévu pour aujourd'hui. Moi, je voulais juste faire un petit peu de... De zeppelin, tranquillou. Toi, on peut peut-être te faire cuire aussi. On a rien comme ça, c'est pas possible. Faut vous remplir les machins là. Bon, au pire des cas, hein, vous inquiétez pas, de l'eau. On en a ici plein, en vrai. Mais là, 6, ça suffit large. Tac, on a un tonique en plus. On va faire cuire le dernier. Est-ce qu'il y a des trucs là-dedans? Voilà, comme ça on n'en parle plus. Ça nous fait une place de plus dans l'inventaire. Et on va se casser. Nickel, on a des flèches, ça suffira large. Est-ce qu'on n'aurait pas une bouteille de trop sur nous-mêmes d'ailleurs? Voilà, on la pose. Je changerai plus tard. On va partir comme ça. Quoi? S'il te plaît, tu pourrais peut-être pas te rétracter. Alors le truc c'est que si ça se rétracte maintenant, on est mort. En vrai, le jeu est cool là-dessus, hein. Il vous laisse faire un truc en particulier. Nécessite un module d'accès. Je l'ai. Oh non, c'est un module d'accès avancé. Ah non, mais vraiment, il n'y a rien qui va aujourd'hui. Mais je fais comment, moi, pour avoir cette saleté? Bon, c'est pas grave. On va aller, peut-être, on peut le trouver là. Non. J'ai un peu les boules. Donnez-moi un moyen de rentrer dans ce truc. Plus de réparation. Merci. Eh ben, c'est foutu. Je vois pas du tout comment faire. Bon, 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 bon. Là-dedans, là? Je vais voir, on va essayer de remonter. Allez, allez. Voilà, on va tomber. Non, tant pis. Ah, attendez. Regardez, il y a des trucs qui volent. Ça n'a peut-être aucun impact. Là.
Small cockpit inversé. Oh yes! On en parlait avec quelqu'un dans les commentaires. Il me disait, ouais, ça se trouve, on peut inverser les cockpits. Et je n'étais pas convaincu. Et j'ai pas essayé. J'ai complètement oublié entre-temps. Et c'est vrai que, bah voilà. Apparemment, au moins, on peut le faire avec ça. En tout cas, c'est pas le plan qu'il nous fallait pour pouvoir rentrer. Mais bon. Génération inventaire. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Si on mettait toutes nos flèches dedans. Ah oui, d'accord, elles sont en mode stack comme ça, quoi. Ok, bon, c'est pas grave, la vibration, je vous avouerai qu'on s'en fout. Là. Là, je veux bien, par contre, on n'a pas de quoi faire chuter ce machin. Non, mais on est bien d'accord qu'il faut que je fasse tomber ce gros bloc là. Je vois pas comment je peux rentrer dedans, même là comme ça. Un saut. Alors, attendez, bougez pas, on va déjà récupérer le vieux pâté qui traîne là-dedans là. Hop là, merci. Ah si. Et là, je me déteste parce que, en gros, j'ai plus de place dans mon inventaire. Yes, là. Crapaud toxique, c'est de la peinture, je m'en fous complètement. Les carreaux d'arbalète, ok, on s'en fout, on est d'accord. Donc tout ça, c'était vraiment pour rien. Bon, bah va falloir continuer à fouiller en vrai. Les éléments, on les récupère. De l'huile végétale, non, ça ne m'intéresse pas. Attends, on pouvait passer par là depuis le début? Non. Ça me rassure. Merde, il y avait ça aussi, il y avait trop plein d'éléments là-dedans. Qu'avec le scanner, j'ai pas raté quelque chose. Non, je vois pas comment faire. Ce jeu a des moments, bah je sais pas du tout ce que je dois faire. Vraiment. Ok. En plus, on n'a même plus de place. Commence à être vraiment rempli. Ce qu'on peut peut-être faire par contre, c'est scanner ça. Normalement, le miel, ça se périme pas, on est d'accord? Bah si, dans ce jeu, il se périme quand même. Yes. Analyser. Alors, on peut récupérer la méningite si on prend des trucs de taille moyenne avec une charge nulle et un pH acide. Donc, on va supprimer les grosses. Normalement, ça nous donne la charge nulle. On a réussi la première fois. Donc, toujours les moyennes. On va supprimer les petites, c'est là où ça en supprime le plus. Nous, il nous faut la charge nulle, donc on veut le rouge. Et ben voilà, celle-là. Tac. Pour l'instant, ça se passe bien. Surtout
Donc là d'habitude se passe très mal. On va supprimer les groupes. Les positifs. Et les charges neutres. Et comme ça, c'est bon. Nickel, on a obtenu une méningite. Ça, c'est cool. Là, pour le coup, ça s'est bien passé. What? T'es en train de me dire que je l'avais déjà. Ah non, c'est que je la prends. Ok, bon, bah, c'est le seul truc qu'on avait déjà. Je suis dégoûté. Bon. On va mettre notre carburant ici. Ça va pas être le meilleur épisode qu'on ait jamais connu. Hein. Au niveau productivité, là, on est un peu marrant, quoi. Bon, parce qu'on peut vraiment pas avancer autrement. Tac, ça c'est bon. Le problème, c'est que du coup, bah là, est-ce qu'on pourra le retrouver? Ces deux endroits, si on part, est-ce qu'on peut les retrouver, quoi? Il y a un autre point d'interrogation un peu plus loin. Les plantes, ça sert à rien, on peut pas les analyser. Tac, faire bouillir. Est-ce qu'on n'aurait pas un truc là qu'on aurait complètement zappé? Résine végétale, on n'a pas, parce que nous, on a que de l'huile. Module avancé, il nous faut un composant d'accès avancé, donc ça, on peut pas le faire. Cristal d'énergie et polymère. On va faire ce truc-là, on sait pas ce que ça fait. Peut-être que c'est ça la solution à tous nos problèmes. Vous sentez le gars qui n'y croit pas du tout? Hop, j'ai oublié le polymère. Ah mince, mais attendez, j'ai la torche allumée depuis tout à l'heure. Je me déteste. Ah punaise. Bon, bah allez. Comment gaspiller Je vais déséquiper ce truc. Extracteur de plateau filtrant. Améliorer la station. Extracteur fixe automatisé, cristal d'énergie et époxy. Ah ouais, donc c'est le truc qu'on a et que j'ai pas réinstallé depuis qu'on a remodifié. C'est l'extracteur automatique en fait, quoi. Mais en mode amélioré. Sauf que là, on peut filtrer. Ah ouais, bon, ben non, c'est pas du tout la solution à nos problèmes. Je suis dégoûté. Je suis vraiment dégoûté. Et ben, je pense que la solution à nos problèmes, du coup, ce sera forcément d'aller ailleurs. Genre, on va rétracter le pont. Et essayer de se balader un peu plus loin. Côté tout à gauche à 1,43. On est parti. Bon, bon, bon. Ça donne de l'eau, de la santé. Est-ce qu'on n'aurait pas un peu de flotte à récupérer là-dedans? Enfin, on va en mettre un peu plus, hein, parce qu'il y a des moments où on est quand même limite, limite, quoi. Pas tant que ça, en vrai. Oui. Arrêtez d'abîmer mon vaisseau. Hop là. C'est qui le taulier? Attention.
Et ben franchement, on va peut-être s'arrêter. Mais arrête! S'il te plaît. Juste se poser 2 minutes là, histoire de faire un peu le plein. Nickel. Ranger les éléments. On en met un petit peu là, c'est très bien. J'ai bu alors qu'il n'y avait pas besoin, mais ça c'est pas grave. Déjà, on récupère. Je veux bien te récupérer, s'il te plaît. Ouais, c'est quoi ça? Il n'y a rien à scanner, t'es sûr? Déesse déçue, tous nos efforts étaient vains, les offrandes n'étaient pas suffisantes. Ah ouais, d'accord. Les tempêtes n'ont fait que confirmer. On traite de voleurs d'imbéciles, mais ils ne peuvent pas avoir la vérité. Oui, je pense que c'est bien le moment de faire des offrandes. Hop là. Ah bah c'était ça, la lampe torche, ce que je vous ai montré en début d'épisode. Mais attendez, ça ressemble pas du tout à l'autre. Ça veut dire qu'il y a plusieurs endroits pour avoir les mêmes choses. Donc ça c'est plutôt un bon point, parce que ça veut dire que même si on n'a pas réussi à rentrer dans les autres, on pourra peut-être avoir les mêmes. Que là-dedans, il n'y aurait pas. Bon. Hop là. On n'a rien vu. Franchement, est-ce qu'il existe un mode. Comment on appelle ça? Hardcore où vous perdez le monde, quoi. Là, franchement, je pense qu'il y a moyen d'être très en colère. Parce que surtout que c'est juste qu'il a pas voulu courir comme il fallait, quoi. Merci. C'était pas très compliqué ce que je te demandais quand même. Stop war. Bon, je suis pas bien sûr que réellement la guerre ne se soit pas terminée pour le coup. Je sais pas si vous avez regardé la série Fallout. Étagère en ambre. C'est que ça me fait penser à ça, hein. C'est pour ça que je vous parle de ça. Bon, bah on va repartir par le même côté. Hop là. Voilà, il veut bien le faire, hein. Tout à l'heure il a pas voulu. Et du coup, on a un étage encore inférieur. Bon, le seul intérêt de passer par ici, hein, c'était vraiment d'obtenir le. Comment ça s'appelle, pardon. La pile. Le reste, on n'en a absolument rien à faire. Ah, un petit plan. Cockpit inversé, taille 2. Oh oui. Franchement, honnêtement, je sais peut-être pas comment aller dans la subnuée de niveau 2. Et à côté de ça, bah. Plan d'un croquis. On a de quoi faire des cockpits inversés et ça, c'est chouette. Le reste, moi. Pourquoi tu peux pas prendre. Ah, c'est parce qu'on est déjà à full. C'est pas grave. Ah, mais il y avait vraiment un passage. Hop. Bon, mais vous savez quoi? Je vais farmer un peu de mon côté, à mon avis, tranquillou, sans me prendre la tête, pour juste faire exactement ce qu'on avait dit, c'est-à-dire. Cette fois, franchement, j'aimerais bien envie. J'ai même envie de tester avec vous. On va faire de prendre de quoi faire un seul. Allez, oh, il n'arrive pas. Fais voir, monter à bord. Ouais. Inversé. Ah, ça va être trop bien. Bah non, mais ça, je vais le préparer pour la prochaine fois. Je vais essayer de tout réorganiser. On va se faire en dessous, là. Paf.
des petits cockpit inversé là, là, tout ça, tac, tac, tac. Ça, on va faire beaucoup plus étroit. Ici, 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 je vais couper. Un truc un peu plus long. Faut juste que je trouve comment intégrer ça et que ce soit assez joli, entre guillemets, quoi. Les gars, c'était la fin du monde, mais ils ont pris le temps de faire des trucs un peu stylés, quoi. Bon, voilà, si vous avez des idées de comment je dois faire certaines choses, je suis vraiment preneur, parce que là, bah, du coup, c'est quand même un peu la galère. Je pensais vraiment qu'on allait pouvoir avancer, et je me retrouve bien bloqué, quoi. Bon, en tout cas, voilà, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à très bientôt.